Cet accident a eu lieu dans une mine de gypse du district de Pingyi dans la province du Shandong dans l'est de la Chine. Un nouveau trou a été percé ce lundi en début de journée dans la section sud-ouest de la mine qui s'est effondrée, mais aucun signe de vie n'a été détecté. Un détecteur de vie infrarouge a été envoyé au fond du trou à 220 mètres sous la surface, mais il n'a détecté aucun signe de vie malgré plusieurs tentatives. Selon les analyses des images vidéo récupérées, le tunnel aurait été inondé avec une odeur d'eau atteignant 1,40 m. 4 personnes auraient été localisées mercredi dernier dans cette section de la mine. En tout, 17 mineurs se trouvent toujours coincés. Les sauveteurs estiment que 3 personnes se trouveraient dans la partie nord au fond du site, tandis que 14 d'entre eux seraient en dessous de la section sud-ouest, dont les 4 mineurs localisés mercredi dernier.